Et nous sommes de retour pour Assassin's Creed. Donc la dernière fois on avait mis à jour notre équipement, ça s'est plutôt bien passé. On avait la lance qu'on avait tuée d'un mercenaire je crois qui venait nous tuer. Elle est bien, franchement elle est top et on va rester avec la lance pour nous parce que c'est un peu... C'est beaucoup plus simple vu qu'on est plutôt un chasseur-archer. Du coup, c'est bien pour poker les gens de loin et de les repousser en fait. Ça nous permet de nous donner du temps pour dégainer l'arc et tirer. On a mis ça à jour aussi, les brassards de Thésée. Alors, c'est pas les meilleurs, hein, mais on a 30% de toute résistance là, si on a les 5 parties. C'est sympathique à avoir. Après, c'est plutôt du guerrier. Mais bon, bref, on a mis une gravure aussi dessus. Mais voilà, c'est la seule partie d'équipement qu'on a en or de toute façon. Donc autant l'augmenter et la garder pour le moment. À moins qu'on tombe sur un truc violet, je dirais, qui est full chasseur, assassin, un truc comme ça. Mais bon. De toute façon, on a besoin du guerrier augmenté aussi, parce que il faut qu'on soit quand même bon en... Il faut... Putain, ça tue. Cool, merci. Yes, on est presque full. Il faut quand même qu'on soit bon en guerrier pour combattre, hein, parce que sinon... Sinon, on passe un mauvais quart d'heure. Parce qu'au final, on combat... On fait un peu de tout, en fait. On combat au corps à corps, genre, ouvertement. On assassine... On utilise l'arc. Très attention par ici. Non mais ils sont tous morts. Arrête de dire n'importe quoi. Donc ouais. Non ça c'était... Non on l'avait déjà fait. La map est méga grande ici. Ouais il y a plein d'endroits en fait. Oh la vache. On peut se balader un peu, on peut aller voir ça par exemple. 750 mètres. Ouais, on peut se balader un tout petit peu. Salope! Pardon. Et où ma flèche? Putain, on a perdu la flèche. Efficace et silencieux. C'est quoi ça? Ah, c'est sous l'eau! Je suis pas fan. Grotte sous-marine. Bon allez, vas-y. Grotte du champ de bataille. Oh, ça va, c'est assez clair. Puis le trésor trouvé, l'ostraco. Un truc qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on peut changer d'équipement en combat? Parce que dans un sens, je suis en train de me dire que les 7 là, les 7 de combat là, ça sert à rien. Pour le moment, pour moi, ça sert strictement à rien. Mais plus tard, est-ce que par exemple, si on va faire de l'assassinat, est-ce qu'on va se mettre full assassin chasseur? Et après, si on combat un boss ou un truc comme ça, on se met full guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut changer en plein combat? Faudra tester, voir si je peux changer de l'armure en plein combat. Ou alors c'est verrouillé. Peut-être. Oh, mais c'est méga grand ici. Ouh, ça c'est cool.
C'est bien ça, de l'obsidienne et tout. Vraiment bien ce pouvoir, ce pouvoir pour les grottes comme ça. Vraiment pratique. T'as bien fait de le prendre. Ah. C'est éteint notre... Alors, c'est trop dangereux dehors. Alors, j'attends la fin de la guerre. Les seules fois où je quitte cette grotte, c'est pour remplir ma coupe. En sortant, je vais au nord-ouest du champ de bataille de la forêt occupée de Tripodisco. Tu me trouveras à l'hôtel des offrandes au pied du dieu du vin en personne. Ça marche. On verra ça. Par où on ressort par contre? C'était par où, par là? Ouais, c'est par là. Alors... On perd 69 de santé. Nice. gagne un peu de défense. Est-ce que ça vaut... Non, je pense qu'on va garder le bleu pour nous. C'est très très peu... de différence. Ah, j'ai pas vendu tout ça la dernière fois. Mince. Ah, on a récupéré la bourse. Ouais, on a plein d'argent en fait. Bon, bah la prochaine fois qu'on retournera à un marchand. On fera ça. C'est une petite option là, tout à gauche, là, quand on regarde le marchand. À chaque fois j'oublie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, avance. Attends, quoi. On peut faire ça. Allons-y. Allez. On y va. Ah ouais. Bah désolé Phobos, mais Par où je passe là? Qu'à passer par là. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est des quêtes timées je crois, où on a du temps avant pour les faire. Tableau des Amazones. Je peux t'aider, marchande? Un soldat m'a demandé une décoction de Sigu. Je pense qu'il veut se tuer. Tu en es sûr? Ce n'est pas forcément pour ça. Il a été soldat toute sa vie, mais cette guerre l'a laissé infirme. Je crois qu'il se sent inutile désormais. Chaque semaine, il vient à mon échoppe. Et chaque semaine, je le vois plus triste. Je comprends tes réticences. Mais tu n'as pas à choisir à sa place. Je refuse de l'aider à en finir, Mistius. Alors je lui ai écrit une lettre. Je veux qu'il sache qu'il est moi seul qu'il ne le pense. Il faudrait que j'apporte ça? Tu as compris.
Ton travail consiste à livrer ça. D'accord. Je vais le faire. Tu peux pas lui faire, le faire toi-même. Crois-moi. Puisse les dieux te guider. C'est débile. Putain, en plus ça me refait descendre. Ah là 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 là. Campement militaire. Vas-y, on va d'abord s'amuser. C'est un campement militaire athénien. Ah. Ok, prisonnier. Alors fais voir toi un peu ta gueule que t'as. Tu es un archer. Et tu es légendaire, on va t'attraper. Et toi t'es... Non, toi t'es violet, on s'en fout. Toi. On va prendre que les légendaires, parce que bon après, lui il a... Genre, là, je pense qu'il augmente les... La résistance du bateau. Bon, nous on a déjà plein de mecs légendaires, donc... On va choisir que les légendaires. Alors, on fait voir un peu. Mieux vaut rester caché. Voir un peu les dégâts que ça fait, genre ça. Chargé au max. Ouais, pas mal. Si on fait ça. Pas mal. Ah, tu vas monter. Parfait. Ah, j'avoue que non, en fait, ce truc de tuer comme ça, là, c'est super pratique. Maintenant, on pourrait combattre le reste. Merde, c'est lequel qu'il faut assommer? C'est celui-là avec la couronne. C'est quoi, on a mal joué. Pas grave. J'offre la liberté et de l'argent à tout mon équipage. Toi y compris. Nickel. Pas mort, bien joué. Bon ben voilà.
J'ai pas vu de feu. Ça m'embête ça. On va pas me dire qu'il n'y a pas de feu. Je suis en train de me dire ça. Enfin, je me demandais ça plus il y a un petit moment. Est-ce qu'il faudrait pas l'habilité de feu? Comme ça, on peut au moins faire des flèches de feu partout. Parce que... Parce que là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas de feu. Moins que ce soit con, mais... Puis après, ils disent brûler. Est-ce que détruire, ça marche aussi? Genre, est-ce qu'on peut taper dedans? M'étonnerait, hein. Ah, attends. Récupérer. Ah, ok. On peut récupérer des vivres à l'intérieur. Je savais pas ça. Ben, je suis dans la merde. J'ai pas de feu. J'ai pas d'allumettes, j'ai pas de briquet, rien. C'est con ça. Alors. Plus 4% de dégâts infligés par les soldats de marine. Genre, ça? Par les soldats de marine. Ah, genre, je pense que c'est juste les gens qui attaquent, en fait. Par contre, moi, j'aime bien, c'est la récupération d'intégrité, là. Ça, c'est vachement bien. Hein. Bon, c'est pas grave, on se casse. Mais bon, je crois qu'on va être obligé à un moment de prendre les flèches de feu. Enfin, les attaques de feu, et puis ça nous fait des flèches de feu. Pas grave. Ah la pute. Mais là, je mets 3 plombes aussi. Hein. Non, reviens, reviens, reviens. Commence pas à me chercher, tu vas me trouver. Non mais oh. Je mets trop de temps à viser. Allez, allez. Merde. Récupérer. Mais ça, c'est Ami, ça. Avance. Ça me paraît un peu bleu, hein, pour du spartiate. Megara. Wow. What? Les mecs, il y a un ours niveau 50 qui se balade. Mercenaire qui se balade aussi. Megara, la capitale. Si le chef est quelque part, ce sera là. Ouais, mais nous on veut pas se le faire, le chef. Non, on doit juste remettre une lettre pour le moment. Ça me fait un peu peur là, le coup de l'ours qui se balade.
chercheur. Ceci est pour toi. Merci. Voilà pour ta peine, mercenaire. Waouh, bah c'était rapide. Waouh. Non putain. Ça paye bien, hein. Tu as besoin de quelque chose? Ah mais je peux pas vendre mes conneries. Ah non, ah non, si, si, il faut aller vendre là. Voilà. Merci d'être venu. Si on se baladait un peu. Là on a une personne avec qui parler, je crois bien. Parler à l'aveugle. Tu aurais quelques drachmes? Toi là-bas, tu as une bonne âme. Aideras-tu un vieillard à s'acheter un repas? Tu as l'air bon toi aussi. Tu sembles aussi être une bonne âme. Je te remercie, mais ma modestie en souffre. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cassandra. Et toi? Je suis un simple mendiant. Je suis venu en bateau de Perse pour voir la beauté du monde grec. Je sais faire beaucoup de choses, Perse. Mais pas rendre la vue. Et je ne le voudrais pas. La cécité est un fardeau que m'ont imposé les dieux, et j'entends le porter. Mais alors? Sois mes yeux. Dans ma jeunesse, un Athénien m'a fait des récits magnifiques de vos contrées. J'adorerais les entendre à nouveau. Accepterais-tu d'aller voir les lieux que je n'ai pu voir, puis de venir me raconter tes aventures? Ouais. Je n'ai pas de grand talent de conteuse, mais je serai tes yeux. J'avais bien perçu de la bonté en toi. Tu as rendu le bonheur à ce vieux Perse. Attends avant de me remercier. Quels endroits aurais-tu aimé voir? Ah, mes récits préférés ont toujours été ceux de l'Acrocorinthe, des statues de Zeus et d'Athéna, du perchoir de l'oiseau en armure en Arcadia, et bien sûr, du mystérieux mont Aigétos. Wow, ok. Ça marche. Je reviendrai te voir avec. Non, on va pas demander où c'est. Hein. S'il te plaît, reviens dès que tu auras vu un de ces lieux. On découvrira les choses, c'est peut-être. Très ancien. C'est surplombé. Serait-ce l'écriture de Thémistocle? Mais après, on a vu par exemple Zeus, une sur cinq. Oui, on peut lui dire, qu'on a vu Zeus. J'ai entendu tes pas. Ravi de te revoir. J'ai pas bougé pourtant. Ah non. Ah d'accord. Je reviendrai te voir avec mes histoires. Faut faire les 5, d'accord, s'il ça marche. Te plaît, reviens dès que tu auras vu un de ces lieux. Ouais, 1, 2, 1, 1, tu... Oui. On en a vu un, mais tu dis rien. Donc bon. Ah, te foutre de ma gueule, hein. On avance. Ah mon dieu, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses à faire, c'est abusé. Non mais il y en a trop là. Faible de Mégari, détruire les navires pirates, question ravitaillement spartiate. Navire, ouais, bon, ça on le fera à contrario. Tue les soldats, bateaux. Tue le mercenaire,
tuer le dirigeant athénien. Oui, non, mais le dirigeant, il est pas affaibli, donc bon, on peut voir un peu la gueule que ça a. On va se mettre là. Il a des gardes du corps, hein, mais ils sont pas. Comme j'ai dit, hein, vu qu'on avait, on avait fait pas mal de secondaires. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut s'infiltrer et récupérer des quelques trucs vite fait? On va pas faire la guerre non plus ici, parce que bon, ça, ça sera un peu con de... Genre de faire ça direct. Est-ce qu'on est en zone rouge ou pas? J'imagine que si je vais à l'intérieur. Cet endroit sera en alerte. Ouais. Ça va, je pars, je pars. Est-ce qu'il me dit de pas rentrer? Halt! Cet endroit n'est pas pour toi. D'accord. Ça marche, ok. On peut la jouer Hitman et tout. Ça va, c'est bien. C'est vrai, depuis le début du jeu, je joue un peu hardcore assassin ou. On va n'importe où et on tue les trucs, quoi. N'essaie pas d'approcher, d'accord? D'accord. Ça, c'est quoi exactement? Brûler. Ah, c'est des brûlés. Ah, il y a plein de soldats partout. Le problème, c'est qu'il y a plein de soldats sur les murailles. Ah, t'es là, toi. Icaros le rusé. C'est qui, ça, déjà? C'est un mercenaire qui... comme nous? Icaros le rusé. Ouais, il est juste niveau 10, quoi. Et si on allait tester si s'il est vraiment rusé ou pas. Est-ce qu'on peut faire un vrai duel? Ah non, ah oh, je sais ce que je vais faire. Oh, oh, oh. Je crois, j'ai de l'adrénaline. Allez, let's go, let's go. Ah merde, il est... ah, il est parti du rebord. Ah, vous le saviez très bien ce qui se préparait là. Ça, c'était le grand coup de pied spartiate là qui est arrivé là. Il y a plein de trucs par contre en dessous. Ah, c'était le grand coup de pied spartiate là. Ah putain. Une chose que je voudrais savoir aussi, c'est savoir quelles zones sont rouges ou pas, genre une zone interdite. Genre, est-ce que chaque endroit est une zone interdite à chaque fois?
Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. C'est sûrement le traitement d'Irkatus. Non mais c'est pas entre toi et moi. Tu me fais chier toi, casse-toi. Vous me faites chier, hein. C'était vraiment pas à vous hein, de venir. Attends, fais voir l'autre. Il est légendaire ou pas? Non, c'est de la merde. Non, ils peuvent tous crever. Ils peuvent tous crever. Ah, vous m'embêtez, hein. Pas heureux là. Je suis pas très heureux là. Mal joué. Ok. J'ai dû faire une petite pause. Donc on est reparti. On doit tuer tout le monde, hein, c'est ça? Bien. En plus c'est bien, c'est... ça fait pas de ligne droite, donc ça me ça me téléporte quoi. Donc du coup ça me met vraiment à l'abri ce truc là. Genre là ils étaient en direction de moi mais ça s'est bien passé. Parce que hop, téléportation. Reste à l'écart. J'aime bien ces animations. Oh, ça va aller. Adieu. Ça a été très lucratif. Je devrais peut-être traquer plus de mercenaires. Ah, mais attends, c'est pas le mercenaire qui travaillait pour eux, du coup? Je suis en train de me dire, là. Parce que c'est pour ça qu'il était avec les... Ouais, oui. C'était lui. Parce qu'il était avec les Athéniens. Il était au milieu d'eux. Cool. Très bien. Bon, c'est beaucoup mieux passé là.
Alors, fais voir, j'avais vu un endroit avec plein de trésors, là. Une sorte de... Pas de grotte, mais je pense que c'est... Ils ont construit une réserve, quoi. Attends, par contre, je sais plus où était l'entrée. Ça, là. Le tombeau d'Alcatos. Juste à notre droite. Ok. Stèle ancienne. C'est parti. Est-ce qu'il y a un passage secret? La stèle ancienne. Genre ça? Yes, let's go! On voit strictement rien. C'est quoi ces jarres? Un piège? Il y a un putain de serpent! Tiens! Oh, mais attends! J'ai torche à l'infini, je peux les balancer. J'aurais pu foutre le feu à la cargaison en fait. J'ai pas besoin de flèche de feu. Je pensais que cette torche en fait, on pouvait pas la balancer. Tu peux même la déposer par terre. Et après, t'en as d'autres. Ah, intéressant. Attends, comment je l'ai mise par terre? Attends. Celle-là, je l'ai fait tomber par terre, mais... Non, je sais pas. Ah! Ok, il y a un passage, là. Bon, bah, je pensais vraiment pas qu'on avait torche infinie. Hein. Je pensais que c'était... Genre, celle-là... On peut allumer ça ou pas? Attends, c'est allumé ou c'est ça fait juste exprès? Si, on peut allumer. Oh, ça tue. Non. Je fais des tests. Ouais. Enfin, c'est un peu chaud quand même d'allumer les torches comme ça. Mais bon. Ah! Attends. Je crois que j'ai capté en fait. Ok, quand tu te déplaces, tu peux la balancer. Ok. Merde. Ouais, ça va, on apprend des choses. Genre, il n'y a pas d'animation pour mettre le feu au lieu de taper comme bourrin dessus.
Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce machin? D'accord. Ça émet des vibrations et tout, et tu vas me dire que ça va, c'est rien de spécial. Fais-moi rêver. C'est quoi ça? Une hache. Yes, ok. Y pour faire l'animation, ça marche. Ah, putain, il y a un truc pour accrocher la torche, quoi, ça pète. Ah non, elle la met dans la corde, en fait. Oh, c'est marrant, putain. Bon, bah, c'est bon, on a fini. Bon, par contre... Ah, aptitude. Oh, on a une aptitude gratuite, d'accord. Donc, les stèles, comme ça, ça donne des aptitudes. Ça tue. Ça tue, ça tue. Ah, on pourrait améliorer ça direct. Ah, ça vaut le coup, hein. Emploi des flèches incapacitantes, incendiaire et toxification de ces flèches dans l'inventaire. Ah, ça va nous permettre de faire plus de flèches en fait. Ah, ça devient intéressant là-bas. Du coup, on n'aurait pas besoin de ça. Enfin, dans un sens, on pourrait... Genre si on veut vraiment jouer qu'avec des flèches poison... Imagine qu'on aurait besoin de ça, genre vous connaissez bien l'accumulation toxique, accumulation toxique accrue de 25%. Ça pourrait être pas mal. Mais je crois que ça au final on n'a pas vraiment besoin. Ah j'aimerais bien avoir ça aussi, un animal de compagnie. Là ça nous ferait faire des flèches incendiaires et toxiques en plus. Intéressant. Bon, vu qu'on a le fait de pouvoir faire des flèches incendiaires... Non, des flèches toxiques, pardon. Et on a la torche pour faire du feu si on doit brûler des trucs. À la limite, on fait ça, la maîtrise des bêtes pour le moment. Parce que je veux voir un peu quel type de bestiole on peut avoir. Donc là, pour l'instant, on peut avoir un loup. Après, c'est quoi? Léopard, lion ou lynx. Ok. J'imagine qu'après, on peut avoir un ours. Ce serait cool. Ouais, ça, c'est cool. J'ai déjà envie de refaire mon... les habilités, quoi. À la puta, quoi. Est-ce que tu désires de l'aide?
J'ai trouvé cette tablette. Je ne sais pas lire, mais je vois bien que ce ne sont pas des symboles habituels. Je crois que c'est un code, et que l'homme qui m'emploie se sert de son affaire pour espionner les soldats d'ici. Ça ressemble à un message codé, oui. De la part d'un marchand, c'est étrange. Il n'y avait que lui et moi à la boutique aujourd'hui. Il saura que c'est moi qui l'ai prise, et il va vouloir me tuer. Il faut que je fasse parvenir cette tablette à un commandant. Tu me demandes d'offrir ma protection. Je t'en serai redevable. Ça marche. Pour te faire du mal, il faudra me passer sur le corps. Reste tout près. Wow, doucement. Non mais casse-toi. Non, ils l'ont tué. Non mais sans déconner quoi. Je vais te briser toutes les dents. Pourquoi ? Non mais sans déconner quoi. Ah, c'est pas grave. Ah comme j'ai dit, hein, je vais pas, on va pas recharger la partie juste pour sauver un mec, pour faire des quêtes comme ça. Sinon on va y passer 3 heures. Parce que les mecs ils l'ont mis un coup, je crois qu'il est mort. Genre un coup il était en animation de le massacrer déjà. Attends, il y a un loup. On y va. Il y a un loup. Attends, on va tuer. C'est aussi un niveau 10, ouais. Non, attends. Ah, il faut faire attention parce que je peux faire du critique aussi. Apprivoiser l'animal. Chasse avec moi. Cool. Est-ce que je peux monter sur ça et me suit? Yes. Oh, attends. Est-ce que maintenant on est connu comme la femme à l'aigle et au loup dans les mercenaires? Ça, ça serait vachement sympa. Que notre description change, mais ça m'étonne. Attends, c'est un mec de quel niveau qu'on a rencontré? Ah, mais il était super haut. Oh là là, il est là. Brumusa, la joueuse de lyre. Oh ben putain. T'es remis pour ses talents de musicien depuis premier spectacle de magnifique divertissement de riche homme politique. Elle a appris à se jouer aussi bien des gens qu'à jouer de la lyre. Fais voir moi. La porteuse d'aigle. C'est une épée. C'est une épée. Donc dégâts assassins. Dégâts guerriers. Dégâts critiques. Ah putain, c'est de la même qualité de nous que nous quoi en fait. Enfin c'est les mêmes choses. Ah elle est jolie. Mais bon, enfin nous on préfère la lance quand même. C'est plus facile de rester hors de portée des dégâts avec la lance. C'est parti. Si on allait faire nos... Allez. Si on allait faire le reste des missions en fait, au lieu d'aller parler au mec tout simplement.
Genre on lui rendra tout au même moment. Trésor public, ravitaillement, les soldats atteignés en Mégaris, putain. Baladons-nous. Feu et décombre. Ah, attends, on peut faire ça. Ouais, mais c'est en pleine ville, j'ai pas envie de faire ça en pleine ville. On va d'abord se balader un peu. J'ai envie que notre loup soit utile. Ça va, le machin, il a l'air de suivre. Je me demande s'il se téléporte aussi. Genre un peu comme le cheval. Zeus Ephésos. Ouh, un légendaire. Allez. Bon, lui, faut le capturer. Lui. Par contre, on a un loup. Est-ce que le loup va pas le tuer? Ça risque de poser un problème. On va voir un peu comment le loup réagit, en fait. Si jamais le loup, il fait de la merde, qu'il nous bloque, en fait, dans certaines actions, parce que, je sais pas, il tue les gens, ou quand on veut les assommer, ou des conneries comme ça, on prendra pas d'animaux. Ça sera embêtant, quoi. Est-ce qu'on peut lui donner des ordres? Personne ne me remarque. On peut pas lui donner d'ordres. On va l'assommer. Tu as de la force, Léa. Rassemble tes affaires et retrouve-moi mon navire. Ok, on peut le... Ouais, on peut se débrouiller pour pas les tuer. Fais voir un peu le chien. Allez, vas-y. Wow, tu fais mal. C'est méga mal. Viens à mon secours. Ce sont les dieux qui t'ont mené à moi, Mystios. Je te suis à jamais reconnaissant. Bon, ça va. On valide le fait d'avoir un animal de compagnie, c'est tout ça aide. Il a l'air de faire très mal quand même. L'air de faire méchamment mal. Alors maintenant, je voudrais. Ah, mais là, on sort d'Athènes en fait. Enfin, de Mégaris plutôt. Alors, prime du soldat athénien. Vas-y, go. Avance. Là-bas.
contrée de la magnifique corruption. Corinthe. Corinthe ou Corinthie, je sais pas le temps. Sûrement une grotte. Ouais. Il y a le loup qui nous protège pendant qu'on fait ça. Ouais, non, je suis content, le coup du loup, c'est sympa. Et après, on aura des trucs plus puissants encore. Faites pas chier. Je dois me montrer prudente par ici. Ah, il reste à l'extérieur. Ah, les animaux peuvent pas entrer en fait. D'accord. Le cheval aussi, il voulait pas entrer. Ok, donc maintenant je peux faire ça. Voilà. Maintenant, on a appris à utiliser notre torche. Hein ? C'est plus cher, oh. Mais ça va, il régène automatiquement, c'est pas ça. Merde. La flèche, yes. Il régène automatiquement, c'est bon à savoir. Ça. Aller sur les soldats encore. Oh, le brouillard, quoi. Oh, entretué.
Bon, le machin, il a pas l'air d'avoir beaucoup de vie, mais il fait mal, quoi. Attends, c'était où? Toujours en dessous, ok. C'est joli ici. Un petit fort pour moi tout seul. Voilà ce que je cherche. Bon, on va passer un bon moment ici. Je me demande si des violets peuvent être aussi bons que des légendaires. Enfin non, les légendaires ont toujours une habilité spéciale en fait. Je me suis dit des fois, peut-être les violets peuvent être aussi très bons. Hein. Plein d'endroits. Ok, ah, peut-être rentrer par là aussi. Non, tout le monde peut mourir, ça va. Ouais, je pense qu'on peut rentrer par là. Une deuxième entrée. On peut les tuer de l'intérieur, ça pourrait être pas mal ça. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Je suis d'accord. Le fort de Geraneia est redoutable. C'est sûrement là que les Athéniens gardent leur trésor de guerre. Icaros peut m'aider à trouver ce que je cherche. Phosphore. Putain, pour une fois qu'elle tue vite. Confirmer l'assassinat. Ça. Après, je sais pas. Enfin, quoi que si, pour les bleus, à la limite, les morceaux de fer bleus là. Donc, je suis un peu obligé de ramasser tout et n'importe quoi. Bon, allez, on monte. Ok, c'est un puits. Il y a quelque chose dans l'eau ou pas ? Merci, je sais qu'il faut changer.
Ça, c'est pas mal comme comme infiltration là. Là, là, on fait du de l'art là. Chassons ensemble. C'était pas très 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 discret tout ça. Je dois m'emparer du trésor et repartir discrètement. Madame, les soldats athéniens auront moins envie de se battre si on ne l'était pas. Ah, c'est vrai que j'étais en train de me demander... Ouh, il y a un... J'étais en train de me demander pourquoi, genre, la vol de trésor... Ça foutrait la merde. Bah ouais, c'est parce qu'on peut pas le payer, du coup. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un peu teubé, hein. Ils doivent pas être vraiment payés pour travailler. Il n'y a plus d'argent de toute façon. Je crois qu'on a tué quasiment tout le monde. Ah, nickel. Calme-toi, l'ours. Je vais pas te libérer. Saloperie. Je voulais faire un petit truc stylé en fait. C'est pour ça que j'ai pas fini avec l'arc. Je voulais faire une animation stylée.
bien. Bah, j'avoue que point de vue richesse, ça se porte bien quand même. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est tranquille. Ah, pardon. Trésor. Il en reste encore un, celui-là, là-bas. Bon, j'avoue que niveau flèche, là, ça va, c'est bien. Les camps comme ça, militaires, où là, il y a les racks d'armes, là, c'est nickel, quoi. Point de vue flèche. Puis en plus, maintenant, on peut créer des flèches incapacitantes, donc du coup, on peut en trouver aussi. C'est bien, ça. Si on est plein, on récupère juste les objets en fait. Genre des objets pour créer des flèches. Nickel. Je suis en train de me dire, là on a récupéré une torche. Alors on est vraiment torche infinie ou on a un nombre de torches? Je pense qu'on a torche infinie. Hein. Que je dise pas de conneries. Genre, où est-ce qu'on peut voir ça? Ouais, bref. On a une épée, dague. Un gourdin. Pour les arcs, on a un arc niveau 12, mais on n'a pas encore 12. Oh. C'est pas mal, quoi, ça, niveau. Niveau défense. On va mettre ça. Aptitude en plus. Alors, ça, on pourrait du coup passer au léopard, lion et lynx. Ouais. J'irai ça. Explosive la prochaine fois. On fait voir. Donc ça, flèche enflammée. Et flèche de feu. J'aurais pas dû en faire un au max, comme d'habitude, je fais n'importe quoi. Parce que du coup, on pourrait en trouver. Mais bon. Alors, on a eu un mec en plus. Alors, dégâts d'apprenage, c'est bien. Dégâts de javelot incendiaire. Niveau 2, 2, 2. Et potentiel incendiaire au début d'un conflit. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Intéressant.
Ah oui, là-haut. Donc ouais, du coup, on n'a plus besoin de l'habilité qui empoisonne. Hmm, ouais, faudra l'enlever. Ou alors, comme j'ai dit, le fait d'avoir... comment ça s'appelle ? Le truc toxique là qui augmente, là, c'est plus simple. Lettre mystérieuse, on a vu qu'il y a de nombreux mots. Effacer le fléau de nos contrées, tu connaîtras la gloire. Établir un piège ? Genre quoi, ça fait exploser? Attends, là c'est chasseur, si possible. On va peut-être mettre ça. Hein. Une lettre mystérieuse. Donc du coup, on a débloqué une quête, je crois. Attends. Ah merde, je peux pas sauvegarder. Si, c'est bien ça en fait. Ça fait. Qu'on me voit ici. Ça fait exploser. Donc du coup, si le mec il alerte, il explose si j'ai bien compris. Ah, ça c'est cool. Ça se passe bien. Comme j'ai dit, ça devient de plus en plus facile. Ah, il y a encore des loups. Il y a des loups partout quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, un camp ? Menexinos, c'est un archer. Oh merde. Encore un truc sous l'eau quoi. Oh, il s'est fait tuer le mec. S'est fait tuer par le loup. C'est parti. De ne pas me faire voir.
Voilà. Et l'autre il s'est fait tuer par le loup. Terrible. Bon, là, j'imagine qu'il n'y a rien de dangereux. C'est pas comme s'il allait avoir des requins. Nous sommes amis maintenant. On va aller au camp là qu'on a vu. Le mec il dort mais il fait jour quoi. Je crois que l'animal il est invisible pour éviter de créer des problèmes. Voilà. On a fini le camp ? On a fini. Par contre, j'ai peut-être récupéré un meilleur arc. Ouais, on perdrait les dégâts de poison, mais c'est pas grave. Nous, on est là pour faire du dégât, pas autre chose. Alors, guerrier, résistance à distance, c'est bien ça. Voyons voir où est-ce qu'on va aller maintenant. On a fait ça. Ouais, on peut aller à la ville. On peut aller à la ville maintenant. Yo. Le cheval. Quoi ce camp? Un camp spartiate?
Est-ce qu'ils vont pas apprécier si on défonce les spartiates? J'en sais rien en fait. Si ça crée des conflits ou pas. C'est interdit de venir ici. Ouais, mais bon. J'aime pas vraiment qu'on me dise quoi faire. D'où tu m'as vu? Merde. Oh, c'est pas... C'est pas moi en fait, c'est le chien, je crois. Là, il s'énerve, celui de gauche. Hop là. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? La 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 la, coup de pied. Voilà, c'est bien passé. Ah, ils vont peut-être pas aimer, hein, mais bon. De toute façon, il y aura personne pour. Personne pour raconter ce qui s'est passé, c'est bien. Hey, il faut que je sorte d'ici. Que te taire. Je te dois la vie, Mystios. Surtout que les dieux te gardent. Ah, est-ce qu'on peut... Ouais, ils ont détruit tué mon loup. Est-ce qu'on peut détruire ça? Ouais, même les... D'accord, on peut foutre le feu un peu partout, en fait. Du coup, ça fait quoi de foutre le feu à la tente? Genre, point de vue gameplay, est-ce qu'ils vont... Ils vont avoir peur, ils vont se casser? Est-ce qu'ils vont brûler, les mecs? Ça, en théorie, je peux foutre le feu partout, quoi. Ouais, bof. Pas. Faudrait voir. Bah du coup on a plus de bouffe encore. Allez,
Je viens en paix. Bonjour. Tu espionnes les Athéniens, je parie. Tu as besoin de l'aide d'une mercenaire ? Un navire spartiate a coulé près de la côte. Les guerriers qu'ils transportaient sont chez Hadès. Mais leurs armes nous seraient utiles. Leur équipement est dans un coffre. Alors va le chercher. Les Spartiates ne sont pas faits pour affronter les requins, Mystios. Et tu veux que j'ouvre le ventre à tous ces requins ? Eh bien, oui. Je vais t'aider. Tu as ma parole. Merci. Accorde-y tout le soin requis. Je reviendrai quand tout sera réglé. Alors, c'est quoi les Spartiates ? Est-ce que c'est loin ou pas ? Merde ! Je me suis reposé. Désolé. Aïe aïe aïe. Oh, tu vas pas me dire que ça doit être là. C'est quoi les Spartiates ? Tuer des requins dans tout le monde grec. Ah ! D'accord. Ah, bah ça va alors. Bah c'est bon, on s'en fout. On s'en fout. Bon, on va continuer notre... Allez, on y va. Notre aventure. Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Très bien. Pagué. Bateau, ça. Ah, là-bas. Εκκλημώτε επειδή ο αρτοπιός ο προδέδηκε το πτανίον αυτό. Εκκλημώτε. Ερέτο, πώς είναι εσείς. Το ζήτημα εστί σοβαρό. Ne reviens pas avant d'avoir la tablette. Oui, Polémarque. Tu as perdu quelque chose ? Pas perdu, mais volé. C'est Stentor qui m'envoie. Il a parlé d'ennui avec des espions. Je préfère un espion athénien à un traître spartiate. Dans tous les cas, il faut le trouver. Il a pris une tablette portant des informations cruciales. Où est cet espion ? Toujours dans le campement ? Si je le savais, je me passerais de toi. Je doute qu'il soit encore là, mais il n'a pas pu aller loin. Il a été blessé quand il a tué le garde. Quel qu'il soit, il paiera pour avoir trahi Sparte. Mystios, si cet homme est un Spartiate, fais-le souffrir avant de le tuer. Ta tablette te sera rendue. Et le Après, coupable sera puni. Peut-être que je me dis elle fait exprès en fait. Tu sais de quel côté il est parti ? Mes hommes disent qu'il est parti vers la colline, là où il est plus difficile de le poursuivre. La colline, ça marche. Je reviendrai bientôt avec ta tablette. Les montagnes et les forêts de Mégaris sont dangereuses, et il n'a sûrement pas agi seul. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ton espion. Kéré.
Genre, je me dis peut-être qu'elle fait exprès, elle en fait genre des caisses. Pour faire croire qu'elle est. Ah, mais tais-toi, toi. Pour faire croire qu'elle est vraiment à fond pour les Spartes et tout ça, pour les Spartiates. Du coup, ça aurait plus de sens en fait, comme ça. Ok, alors faisons un peu. Donc, toi, tu me dis. Donc, l'espion est toujours en Mégaris. Il doit être au centre des monts Geranea. Quelque part au sud du fort Geranea. Le fort Geranea, on l'a défoncé, je crois. Ouais, donc toi, tu dirais au sud. Donc, genre par là, quoi. Ça marche. Pourquoi pas? Et on a besoin de chevaux, hein. Faut bien faire nos missions. Hein. Ok, on retourne là-haut. Et on y va. J'ai dû couper un peu, je fais une petite pause. Beaucoup de corbeaux, beaucoup de morts. Ah, on se demande qui a fait ça. Hein. Tous ces morts et tout ça. Bon, non, on cherche un voleur en tout cas. Attention, il ne faudrait pas qu'on le surprenne. Voleur de tablette. Ah. Trouvé. C'est le voleur. Allons parler aux gens, peut-être qu'on peut leur passer, c'est des Spartiates. C'est ok, non, rien à foutre. Machin là. Ah, t'as tué mon animal de compagnie. La mort vient te chercher. Voilà. C'est quoi ce machin? Mais casse-toi! Voilà. Il n'y a pas. Bien cherché ça là. Bref. Je vais voir toi, libéré. Juste à temps. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Je suis celle qui va rapporter la tablette que tu as volée. Pourquoi les mecs nous ont attaqué si c'est lui le voleur et qu'ils l'ont attrapé? Pourquoi as-tu volé cette tablette? Pour la revendre. Les Athéniens seraient prêts à en donner un bon prix. Ah voilà. Comment es-tu entré dans le camp? Les Spartiates ne soupçonnent jamais les leurs. Ils sont trop occupés à nous mépriser, Malakès. Pas faux. Donne-la-moi. Je ne partirai pas sans elle. À la guerre. Il n'y a pas de vainqueur, mais il y a des occasions. On pourrait peut-être s'arranger. À quelle sorte d'arrangement penses-tu? Tiens, prends la tablette. Et ça, pour ta peine. Personne ne sait qui je suis. Inutile de faire une autre victime. Pars, mais que je ne te revoie jamais. Je dois rapporter cette tablette au commandant.
Ok, peut-être que le mec, on le reverra plus tard. Et genre... je sais pas, nous aidera. Non, ça. Wow, wow, wow. Vous êtes qui? Putain, d'Athénien. Wow, doucement. Putain d'archer qui me fait chier. Tu vas te payer pour ça. Allez, Mystios, on va voir ce qu'il faut. Ça va, je vais tester un peu mes flèches. Genre ça. Ah, c'est pas mal, hein. C'est comme les flèches avec l'habilité en fait. Voir le feu. Ah, le feu aussi. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais, je vais être honnête, point de vue des buffs, genre si on veut les vraiment les. Leur mettre des debuffs, on n'a vraiment pas besoin de l'habilité là que j'ai. C'est pareil, l'accumulation est pareille honnêtement. Donc ça, ça va. Alors, vous êtes quoi vous? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? La garde sera vigilante ici. Ah, on voit ça, ouais. C'est le chien que j'ai eu. On peut enchaîner, hein. On peut très très bien enchaîner les tueries, c'est sympa. Vraiment cool. Je t'avais pas vu, toi. Je fais ça. Très bien. La chasse. Nickel, j'aime bien le système quand même. J'aime bien. Ça devient efficace, ça devient assez rapide. Merde. Comment ça va? Je vais peut-être tirer ma flèche sur le note, mais c'est pas grave. On va rendre ça et on va s'arrêter. On a vraiment défoncé le gouvernement ici par contre.
Donc, Je veux savoir où se trouve. Tu as réussi à trouver le coupable? Tu n'auras plus à te préoccuper de lui. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Il l'a payé de son sang. D'accord. Mais est-ce que tu as la tablette? Oui. Oui. Bien sûr. Bien. C'était bizarre. La carte n'est pas terminée. C'était bizarre, c'est comme si elle voulait pas trop la donner pour je sais pas quelle raison. Alors. Putain, on a 13 000. Non, 12 000 d'argent, oh la vache. Alors, fais voir pour les armes. Alors, on a un arc niveau 12. Très bien. Ça. Chasseur, guerrier. Ça nous fait un peu plus de défense. Attends, inventaire, j'ai encore un truc. Ah, mais j'ai pas vu. Ah oui, une dague, ok. Aptitude, on est reparti à notre choix encore, hein, qui me hante à hein, chaque fois. Donc. Donc on peut faire ça, on aurait des meilleures bestioles. Après là, on aurait des flèches. Non, c'est niveau 7, j'ai rien dit. Donc là. Augmentation de 30% des dégâts. Et on a un 20% de dégâts au tir à tête. Alors que là, on l'a pas le 20% de tir à tête. Donc ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Augmentation des dégâts crit de 25%. Ça, comme j'ai dit, non. On n'en a pas vraiment besoin. Ça devient... Oui, ça augmente, c'est bien. J'ai envie de prendre le soin. À l'assassinat critique aussi, ça pourrait être intéressant sur les trucs à tuer qui sont trop haut niveau. Je crois que le mieux ça serait ça, vu qu'on fait le plus gros dégât avec l'arc. Après bon, on gagne que 10% de dégâts de chasseur, bon, c'est pas énorme. Mais par contre, le 20% de dégâts de tir dans la tête, c'est vraiment très très utile. Et après bon, le remplissage lors de combat d'un segment d'adrénaline, ça c'est pas mal aussi. Donc, ouais. C'est pas mal. Pour le moment, de mes habilités, si je devrais refaire, c'est 435 là, on pourrait le faire à la limite. Le seul point que j'enlèverais, ce serait ça, maintenant qu'on a des flèches et on peut faire des flèches empoisonnées et tout ça. À la limite, ça serait ça. Et je sais pas où on le mettrait. Genre, on le mettrait... Faut progresser dans l'histoire. Il y a le fait de tirer plusieurs flèches aussi, ça peut être intéressant. L'assassinat qui fait plus mal, ou alors même ça. Ah non, faut progresser dans l'histoire. Ouais, l'assassinat qui fait plus mal à la limite. Ou alors on prendrait le soin à la place, honnêtement. Ça peut être pas mal. Mais ouais. Mais ouais. On peut aller rendre ça. C'est ouf. Attends, là il y a un truc là. Ah, l'insensible. Macarias l'insensible.
quand même sur mercenaire. Rien de censé placer ma prime sur ma tête, mais c'est un malentendu. Tue-le avant que ses erreurs ne me coûtent la vie. On peut faire ça. Alors, impassibilité, les dégâts subis laissent de marbre. Ah, il doit être genre gros bourrin ou il bouge pas quoi. On peut pas le faire tomber peut-être. Augmentation des dégâts dus au poison, ça c'est bon ça. Ça marche. On va s'arrêter là, mais on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça devient fun. Ça devient très très fun. On est monté de deux niveaux là, très très rapidement. Je crois que c'est parce qu'on a donné... on a fait plein de quêtes d'un coup en fait, quand on a tué les Athéniens. C'était vraiment cool. Donc on va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois. On ira tuer le mercenaire et on ira rendre notre quête aussi. Et on va devoir tuer le mec qui régit ici en fait. Je pense. Donc ouais. Il se déplace très vite le mec. À la prochaine. Ciao ciao.